Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Pour cette capsule en 30 secondes et 2 minutes, un verset, 1 Jean 2,15 qui dit ceci: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le monde a beaucoup à offrir. Des règlements sexuels, des règlements moraux, convoitise des yeux, des biens matériels, l'amour de soi, la mise en scène de sa vie. Toutes ces choses que nous voyons ici sont exprimées dans Galates 5,19. Au nom de l'amour, de l'hypergrâce, le mal est appelé bien et le bien mal. Et Dieu entre en jugement sous nos yeux avec l'homme et l'homme ne le voit pas. Et il commence même par sa maison, comme Jésus-Christ qui chassa les marchands du temple à coups de fouet. Le dernier temps est celui de la repentance et ce temps-là est arrivé et Dieu est en train de nettoyer son église. Il y a une séparation entre les brebis et les boucs. Les boucs suivent les modes de ce monde, suivent les mœurs de ce monde, suivent les modes de ce monde, mais le brebis suit la voie du Seigneur. Êtes-vous un bouc ou êtes-vous une brebis? En tous les cas, vaut mieux être dans le camp des brebis parce qu'à un moment donné, la sanction du Seigneur va tomber sur ce monde impie et ce monde sera jugé par le feu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et raffermis. Croyez à la parole de Dieu et non aux chimères des hommes. Amen.